c'est moi qui commence ce vlog aujourd'hui, mercredi aujourd'hui, grand soleil, on a décidé de vlogger. Au programme aujourd'hui, du coup, ça va être nettoyage, je pense, du poulailler avec les enfants. Moi, j'ai terminé le carrelage, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait en carrelage. On est vraiment en mode vacances, hein. Franchement, on est vraiment en mode vacances parce que se réveiller à 10h le matin, à glander, enfin faire le carrelage, une pièce de, je crois que l'entrée doit faire 12 mètres carrés, si ça continue, je vais mettre 4 jours à la faire, franchement, on est vraiment, vraiment en mode vacances. Mais bon, on a décidé de ne pas se prendre la tête, on a décidé d'y aller tranquillement, moi je me remets tranquillement aussi au niveau de l'opération, alors du coup, j'ai décidé de ne pas forcer puis d'y aller vraiment... Voilà, tranquille de chez tranquille. Je vais vous faire voir un petit peu le résultat de tout à l'heure. J'aime bien, franchement, l'ami, on a décidé de le mettre un petit peu en quinconce, de ne pas le mettre en alignement. Et la couleur qu'Ophélie a choisie est vraiment top. Ça rend vraiment bien dans l'entrée. Du coup, aujourd'hui, j'aurai bien terminé le carrelage. Et demain, comme ça, j'aurai plus que les joints à faire. Ça va pas mal rendre. Là du coup je vais sortir les chèvres avec les deux filles. Les deux filles sont déjà au taquet, sont déjà en train de jouer dehors. Détendre le linge qui est ici. Étendre la nouvelle tournée. Là je viens juste de remettre une tournée en route. J'ai décidé de mettre les plaids qui sont sur le canapé puis les housses de coussin parce que voilà, il y avait besoin de plus à laver. Alors du coup j'ai mis ça au lavage pour profiter avec ce grand soleil qu'on a aujourd'hui, franchement. Et là je suis en gilet, mais j'ai limite chaud, quoi. Il fait vraiment beau. Au mois de février, c'est vraiment pas normal. Mais bon, on en profite, hein, c'est comme ça. Ophélie a déjà ouvert toute la maison. Toutes les fenêtres sont déjà ouvertes pour aérer un petit peu, parce que vu comment ça fait grand beau. Les poules sont déjà dehors, parce qu'à vrai dire, on a oublié de fermer le poulailler hier soir. Du coup, ils sont déjà dehors. Ah, une catastrophe s'est produite cette nuit. Il y a le fil de l'étantalage qui est tombé par terre. Alors, touchez à rien, on va voir s'il faut remettre au lavage ou pas. Normalement le linge était sec hier soir et bah, c'est tombé. Vous jouez déjà à l'escalade les filles là? Vous êtes déjà au taquet dès le matin? Hein? Ouais, attention à vous quand même, hein. Ouais, ça c'est les joies de la nature et les joies d'avoir un peu de dépendance à droite et à gauche. Bah, les filles adorent escalader. Mais faites attention quand même, par contre je suis pas trop d'accord, hein. Ouais. On va sortir les chèvres? Hein? Ouais, puis là, ils nous ont entendus, du coup, ils crient, mais ils pleurent, les pauvres, pendant que les deux pintades se barrent. Hein? On va aller voir les loulous, et puis on va vous faire voir aussi le bébé qui se porte super bien. Alors, comme vous a peut-être dit Ophélie, le bébé, maintenant, il va avoir... 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Il faudra que je regarde sur le calendrier pour vous dire exactement. Et on le sort, en fin de compte, vraiment quand il fait beau. C'est quand il y a du vent ou quand il pleut, on ne l'a pas sorti. Je crois que c'est lundi qu'il a plu. On ne l'a pas sorti, mais là, voilà, quand il fait vraiment beau, on le sort jusqu'à grosso modo 16 heures. Et puis après, on les rentre dans les box. On a la chance d'avoir des box. Et là, oui, Gizmo, il pleure. C'est quand il nous voit, en fin de compte, ils se mettent à pleurer, il y a le bébé qui attend à la porte. T'attends à la porte? Et toi, Fifi, t'attends? On va sortir? Ouais! Oui, on va sortir? On va sortir le bébé? Ouais? On sort? Ouais. Puis en fin de compte, les autres là-bas, il va passer la tête. Gizmo! On sort? Ils attendent à la porte, là. Et voilà, coucou! Ah! Allez, on va les sortir. Allez, pour les sortir, j'ai l'habitude, parce qu'en fin de compte, hop, je les prends juste par la corne, et puis le petit bébé, il suit tranquillement. C'est pas grave, laissez en liberté, je vais la rattraper après. Lâche-la, je vais la rattraper après. Bah oui, parce qu'il tire. Autrement, tu la lâches, c'est pas grave. Ils ont un petit peu de mal, parce qu'en fin de compte, le bouc, on le sépare du bébé, parce qu'autrement, il l'attaque un petit peu, alors du coup, on le sépare... des deux femelles. Allez, on les met en liberté dans leur champ. Allez bébé, viens. Regarde le raccourci. Allô Fifi. Allô raccourci. Dis. Et voilà. Elle se porte super bien. Elle adore gambader. Dès qu'on la lâche un petit peu, elle adore merder sa mère en fin de compte. Dis.
Alors, Fifi? Tu profites du soleil? Fait beau? C'est agréable. De toute façon, il y a les poules, il y a tout à nettoyer. Non, maintenant. Ah oui, il y a du travail aujourd'hui. Mais non, parce que le poulailler il est fermé. Donc je suis pas dehors. Non, mais il y a du travail à faire aujourd'hui. Il y a plein de trucs à faire. Du coup, allez, on va préparer le repas. Les filles sont parties aux poules. Non, Manutea est partie chercher les œufs au poulailler. T'es partie chercher les œufs au poulailler? Non, toi, tu dis ton linge, toi. On va ramasser, on va mettre dans la benne à linge. D'accord? Bon, alors, il y en a une qui me donne un coup de main au linge, et puis il y en a une qui est partie chercher les œufs, et après, on va manger, et on vous reprend plus tard. Allez, j'attaque le carrelage. J'ai fini de préparer ma colle. C'est juste du mortier colle à carrelage, hein, rien de spécial. C'est mon mélangeur au bout de la perceuse. Je vais vous faire voir, j'ai galéré à commencer, parce que tout simplement, bon, vous savez qu'on fait venir aucun professionnel ici, on fait tout nous-mêmes, enfin on essaye de faire au maximum nous-mêmes. Le seul professionnel, je crois, qui est venu dans la maison depuis qu'on est là, c'est l'électricien pour nous raccorder la prise à terre et puis pour le cumulus quand il avait grillé, quand il avait failli prendre feu. Enfin bref. Du coup, ouais, j'ai galéré parce qu'en fin de compte, on a posé la porte d'entrée il y a peu de temps. Je vais vous faire voir juste après. Et du coup, j'avais prévu un bon centimètre de. Pour le carrelage, en fin de compte, on savait qu'on allait mettre le carrelage. Du coup, j'avais laissé, quand on l'a posé, on avait laissé un bon petit jour dessous. Sauf que j'avais pas, connerie de ma part, hein, j'avais pas calculé l'épaisseur de colle. Je vais pas dire erreur de débutant, mais c'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs fois du carrelage, mais jamais avec la rénovation d'une porte avant. Enfin bref. Et le sol, comme dans toute vieille maison, le sol n'est pas droit. Et du coup, j'ai pas un centimètre et demi. Autrement, j'aurais pu juste recouper un tout petit chouïa. Mais il va falloir que je mette une bonne épaisseur de colle juste au ras de la porte. Parce qu'en fin de compte, il y a un seuil où ça descend vers dehors. En fin de compte. Du coup, bon, Philippe avait acheté un seuil de porte, ça tombe bien, on va le mettre. Mais il y a bien facilement un centimètre et demi à combler. Du coup, j'ai forcé au niveau de la colle. Bon, ça, c'est pas le problème. Mais c'est que pour découper la porte qui est en chaîne, costaud. Là, j'ai déjà fait une porte sur les deux, comme il y a deux bâtons. Je vais faire déjà le côté gauche en espérant que ça passe. Je vais essayer au fur et à mesure et je vais vous faire voir. Mais j'ai pas mal galéré. Du coup, j'ai bien perdu une demi-heure, trois quarts d'heure à faire ça alors que j'ai fait qu'une porte sur les deux. Bon, alors c'est pas le tout, mais je m'y mets parce que je voulais avoir fini le carrelage aujourd'hui. Mais ça va être chaud. Allez, je vous reprends plus tard et je vous fais voir justement au niveau de la porte comme je vous expliquais. Alors, les jours précédents avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, j'ai déjà fait tout le fond, je vais le mettre par là, c'est peut-être mieux, voilà. Les jours précédents, j'ai fait déjà tout le fond, juste ici, il me reste juste une toute petite découpe là derrière, qu'on voit pas trop bien. Du coup, j'avais fait une première partie juste ici, après j'ai refait une autre partie juste là. J'avais laissé juste un carré là pour qu'on puisse monter hier soir au niveau de l'étage. Et là, aujourd'hui, je vais finir juste ça. Et en fin de compte, c'est juste ici que je vous disais. Au niveau du carrelage, au niveau du sol, en fin de compte, à partir de cette petite fente-là, en fin de compte, ça descend. Put. En fin de compte, regardez, si je fais ça, vous allez voir peut-être la différence. En fin de compte, si je le mets, focus, si je le mets à plat, put, vous voyez la différence. Le sol qui est vachement droit. Alors, du coup, j'ai été obligé de redécouper la porte. Vous voyez maintenant le. Le jour, j'ai à découper un bout de porte. Bon, là, je vais remettre une petite plinthe. Là, on va reponcer après comme il faut. Je remettrai une petite baguette. De toute façon, la porte, là, il faut qu'on la peigne. Et voilà. Et du coup, là, j'ai commencé à faire la découpe juste ici, là. Et puis, normalement, on devait repeindre ça aujourd'hui. Mais on va pas le repeindre aujourd'hui. On va le repeindre, je ne sais pas quand. Mais on verra les jours à venir. Et comme ça, l'entrée, on a le meuble là qu'au fil de restaurer. On avait déjà mis le miroir. Du coup, le meuble, on devait le peindre en noir, mais je sais pas si c'est en blanc, si ça va plus ressortir. Enfin, voilà. Bon, allez, je m'y mets, puis je vous fais voir le restant un peu plus tard.
Me voilà tard, mais je n'avais pas encore montré ma bouille aujourd'hui. Voilà, je viens de faire un petit peu de linge, j'ai bossé aussi sur Emrys. Je vous en parlerai après. En attendant, on n'arrête plus mon chéri. T'as bien avancé, mais il galère hein, quand même. Hein. Il vous le dit pas, mais il galère. Oui, mais j'ai dit justement que je galérais avec la porte. Tu l'as dit que tu galérais? Bah, que j'avais perdu 3 quarts d'heure avec la porte. Ouais, là, déjà, ouais, là, il galère parce qu'il faut qu'il fasse des mini découpes. C'est un éclat là que t'as fait là? Oui, mais il faut qu'on ajoute une baguette de ouais. Seuil de porte. Oui, tu me diras, ouais. entre les deux carrelages. Carrelage. Ouais. Voilà. Mais ouais, là, il va galérer avec la porte là, parce que c'est vrai qu'on l'a posée, on a laissé du jour en dessous, mais on n'a pas laissé encore assez. Et comme le sol n'est pas droit, ou alors il aurait fallu qu'on fasse un réagréage sur toute la longueur, mais... Bah, on l'a déjà fait. Hein. Mais c'est chiant de faire un réagréage. Non, mais quoi, t'as pas le choix, t'as pas ah, le choix. Oui, non, mais là, là c'est droit, là, c'est juste un petit truc, voilà. C'est débile. Et tu kiffes en général de faire le carrelage? Ouais, c'est sympa. Le carrelage et travailler le bois, t'aimes bien? Alors, le rendu, j'aime bien. Tu préfères faire du carrelage et du bois plutôt que de faire du plâtre? Faire du placo? Ouais, non, c'est clair. Le placo, t'aimes pas en général? Le placo, j'aime bien poser, mais. Oh putain, je parle, je me rappelle même pas. Bon, bah, j'arrête de te parler. En tout cas, du coup, ça va faire sympa. Voilà, vous voyez pas trop parce qu'il y a des reflets et tout, mais ça va faire stylé. Ouais, avec le joint et tout, voilà quoi. Ah, ça va faire plus propre parce que c'est là. Oui, parce que voilà, pour rappel, donc voilà, vous voyez, c'est une dalle béton. C'était pareil que ça en fait. Hein. Toute la maison, donc là, c'est les petits bouts qu'on a cassés. Toute la maison, tout le rez-de-chaussée de la maison. Sauf la chambre des filles. La chambre des filles, c'était quoi au sol? C'était du parquet. C'était du parquet qui était foutu, donc on avait fallu qu'on soulève tout. Mais pardon. Malheureuse. Tout le sol de la maison, c'est du lino autocollant, c'est tout pourri en fait. Et ça se décolle. La maison a vieilli, hein, donc ça se décolle au fil du temps. Et puis voilà quoi, c'est moche. C'est moche, ça fait des éclats partout, c'est dégueulasse. Et c'est du plastique en plus. Ça vieillit super mal. Mais voilà. Les filles, je sais pas si vous entendez, ils sont excités. Donc voilà, c'est tout le sol jusqu'à dans la cuisine, c'est comme ça. Donc il manque des dalles et tout, on les remplace au fur et à mesure, mais c'est pourri quoi. Là sous le tapis, on l'a mis, mais là-bas dans le coin, il en manque plein de dalles. De toute façon, vous l'avez vu quand on a refait les réaménagements. Donc voilà, là le carrelage, c'est pas du luxe. Après, je sais pas quand est-ce qu'on va faire la salle et la cuisine, parce que c'est un budget quand même. Bah, quand on aura les choses en compte. Bah, faut avoir des sous sur le compte, puis faut avoir du temps aussi. Après, c'est ça, aussi, parfois qui manque. Oui, enfin. Je vais pas être méchante, mais. Si on se décide, comme depuis 3 jours, à commencer à 14h. J'ai dit tout à l'heure, on est en mode vacances. On est en mode vacances, ouais. On fait les travaux à 14h. On pense qu'on se lève aux 6h et puis qu'on. Oh la vache. Ouais, on a du mal. Bon, en même temps, on récupère de la fatigue. Oui, oui. Donc, oui, après, voilà. Quelqu'un qui se lève à 7h et qui fait une journée de travaux, ça peut aller vite. C'est ce qu'on faisait avant. Là, non, là, ces vacances-là, c'est plus particulier. Donc, voilà. Bon, bah, je vais arrêter de te parler. Je suis censée faire une activité. Avec les deux crapouillettes, mais elles sont survoltées. Mais survoltées. Oh, elles sont excitées. C'est un truc de dingue. Sarlona est en train de faire des gâteaux. Elles sont en train de se raconter leur vie, là. Elles refont le monde. Ah, tu dis, Manoutea est en train de dire qu'elle veut fabriquer des gâteaux. En attendant, Sarah Luna est en train de faire le goûter. Parce qu'on est un petit peu, ouais, on est un petit peu vraiment quand même pas mal à la bourre. Hein. Je sais même pas quelle heure il est. Mais non, c'est juste que du coup, parce que papa il s'est à manger, du coup, bah, j'attendais pour le four. Ouais, mais on fait quand même le goûter de 14h30 pour 7h quoi. Mais c'est bon, ça va. Il est 14h40. Il sera pas très chaud et puis c'est pas. Non, il sera tiède. Oui, voilà, enfin, oui, ça va pas très froid, pardon. Mais oui, ça va le faire. Non, aujourd'hui, on va nulle part. Pourquoi tu t'es installé là pour faire du dessin sur la table de la cuisine? Mais c'est mon truc, vas-y. Pourquoi on m'entendait trop la trouille? Ah oui, papa, il fait trop de bruit avec la machine. Ouais. Ça t'a mal à tes oreilles? Oui. Ça va bien? Oui. Là, on entend des plus. On entend des plus. Avec ton bel accent du Gers que je ne sais pas faire. Allez, Zou. Bon, allez, du coup, je fais une petite activité avec mes choupinettes parce que ça fait un moment que je leur dis. Et puis voilà. Et du coup, on va faire la licorne, le trophée licorne que... c'est toi, Maïlou, qui l'avait eu à ton anniversaire, c'est ça, je crois?
Ok, donc on fait ça. En plus, c'est écrit 7 ans et plus. Donc Manoutea, elle peut nous aider. On va faire ça. Allez-y. Est fini. J'ai donné un petit coup de main aux filles entre deux parce qu'il y a des endroits où on avait des doutes quand même. Bon, après, le seul hic, c'est qu'il y a des. En forçant dans les encoches, il y a des petits morceaux qui se sont décollés en fait. Alors, rien de grave, mais voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on fait quoi les filles? Les autocollants. Les autocollants, la déco. On a fini la licorne. Enfin non, on a quoi? On a presque fini la licorne. Vous expliquez ce qui se passe? Qu'on n'a pas quoi? On n'a pas la bonne colle parce que normalement dans l'emballage, différents ustensiles, on était censé avoir un petit rouleau comme ça. C'est pas de la vraie colle, c'est des petits poinçons de colle de, je sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, du coup pour coller les pompons ou les fleurs, j'ai dû utiliser ça, mais du coup ça tient rien. Donc là, les pompons, ils tiennent, mais c'est rudimentaire. Et là, de l'autre côté, ils tiennent pas. Donc, je vais acheter de la colle liquide. C'est ça, il faudrait de la colle liquide. Ouais. La prochaine fois aux courses. Bah, du coup, oui, comme ça, ouais, on n'aura plus que les pompons à mettre sur le dessus. Mais regardez comme elle est belle. Ouais. Elle est jolie, la licorne. Donc, voilà. Alors, par contre, faudra pas faire comme nous. Nous, on a fait à l'envers, on s'est trompé. D'abord, il aurait fallu décorer entièrement la licorne. C'est que nous on l'a assemblée. Il manque ça. Pour la désassembler après, parce que du coup, voilà, pour la décorer, il faut la faire désassembler. Donc elle est jolie, hein. Donc oui, après, comme et ça. Il manque ça. Oui, on aura des fleurs à mettre. Ça sera juste là. On aura aussi les petites fleurs à mettre là, juste au-dessus des oreilles. Et puis une là, devant. Donc voilà. Mais il va me manquer. Il va me manquer de la colle liquide. Donc on finira ça demain ou après-demain quand j'irai aux courses. Mais c'est bien cette activité. Voilà, comme ça, on l'accrochera au-dessus de votre cheminée. Il y a super papa qui va peut-être nous sauver la vie avec de la colle. On avait acheté pour recoller les chaussures. Pas spécialement utile, là, pour le coup. Mais déjà, ça va nous permettre de finir. Et puis, voilà. C'est pas, voilà. Elle est trop sophistiquée, hein, celle-là. Hein, ah, colle... voilà, attends, j'ai peut-être encore de la colle à bois. Ou avec... Attends, j'ai regardé dans le... Ouais, mais là, c'est des petits pompons et tout, C'est ça, c'est du plastique, hein, par exemple. Hein. Les petits bonbons, ils sont en plastique. Hein. Ouais, mais j'ai un autre truc de colle, je regarde. Maman. J'ai pas pensé à demander à chérie. Maman. Voilà, pour qu'on puisse la finir, la licorne.
Je sais pas où est-ce qu'ils sont tes autres. Je sais pas. Donc du coup, comme il restait des petites paillettes, des petites choses comme ça, les filles sont en train de faire des dessins. Enfin, Maïlou, Manouté, c'est éclipsé, je sais pas où. Oui, non, Manouté, elle est partie jouer dehors. Oui, parce qu'avant qu'il fasse trop froid. Mais Maïlou est en train de finir d'utiliser les paillettes, ce qui restait dans le kit, quoi, en fait. On va pas les jeter. Hein. Bon, j'ai collé tout ce qu'il fallait sur la licorne. Là, maintenant, j'ai trouvé... Chérie m'a trouvé la bonne colle. Maintenant, je vais aller bosser un petit peu. Là-haut, au bureau, mon chéri, de son côté, il galère, mon pauvre chéri. Tu t'en sors ? En fait, honnêtement, on s'est disputé, en fait, hein, parce que moi, je suis pas d'accord. T'as expliqué ? Bon, voilà. Voilà, parce que je suis pas d'accord, moi, pour ce seuil. Voilà. Ah non, pas par rapport au seuil, par rapport quand c'est des foyers, par rapport à la mesure. Ah non, mais moi je dis clairement et nettement qu'on s'est engueulé à cause de ce seuil. Ah oui, on s'est engueulé. Parce qu'on n'est pas du tout, mais alors pas non, du tout. Du tout d'accord, mais comme mon chéri est têtu comme une mule. Ma femme. Et qu'il ne veut jamais écouter sa femme, voilà. Et que. Hein ? Tu peux aller voir Bibi ? Non, oui, non. On dit que papa il a souvent tort et qu'il veut jamais m'écouter, puis qu'après, au bout de 2 mois. Parce que vous avez le monopole de la connexion internet. Est-ce que je peux même pas descendre, Jean-Bibi ? Si, tu peux descendre faire pipi, tu peux passer là-bas. Oui, parce que l'entrée est un petit peu bloquée, hein, donc on fait le tour. Heureusement qu'on a 2 accès dans la maison. Veux-tu de l'aide pour mettre les gonds là ? Trop balèze. Par contre, des méchois. Mais oui, mais. Bah oui, il n'y a pas de oui, mais. Ah, merci. Voilà, je te l'avais dit. Oh, pardon. Non, moi je t'ai pas dit pour ça. Oh putain. J'en ai marre, j'en ai marre. Et puis là, c'est la fin. Enfin, c'est la fin. C'est le coin le plus chiant, on va dire. C'est le plus merdique. Autant que les découpes et tout, voilà. Sans être prétentieux, tu te démerdes bien par les découpes. Du quoi ? Du carrelage ? Ouais. Parce que là, oui, ouais, on avait un petit doute quand même, parce que nous, on a un coupe-carrelage électrique qu'on a depuis Mathusalem. Oh la vache, il a été amorti celui-là. Je crois qu'il a fait les 2 anciennes maisons d'ailleurs, donc je crois que ça fait plus de. Plus de 15 ans qu'on l'a fait. Oui. Non, ça doit faire 17 ans. Enfin bref, il a quand même quelques. Voilà. Il a un peu squinté d'ailleurs, je crois qu'il manque des petits morceaux et tout, mais bon, ça l'empêche pas de fonctionner, enfin bref. Et autant, il y en a certains, ils font les découpes de carrelage à la meuleuse, Ted il fait pas à la meuleuse. Donc, fois, j'ai essayé, ça fait trop c'est pas son truc. Donc, et pourtant, oui, là on apprend un petit peu parce que c'est quand même des carreaux assez grands. C'est des combien 50-50 qu'on a pris, non ? Non, 40. Ils disent quoi ? 42. 42 ? Oh, ça va, Bon, je fais la moitié. 42, mais. Ça va, ça le fait, donc voilà. Mais là, ouais, autant que du coup, j'allais dire, les découpes, ça ne les ferait pas trop. Mais autant, là, c'est voilà, c'est chiant. Il faut redécouper le dessous de la porte et tout. C'est toujours c'est une porte ancienne, c'est une maison ancienne, c'est un sol ancien. C'est, non, voilà. Touche pas. Touche pas, malheureusement, au seuil de porte. Touche pas au seuil de porte. C'est le sujet de la Discord, ne touche pas au seuil de porte. Allez, par contre, dépêchez vous sinon ma colle sèche. Allez, à plus tard, ciao. Bon, puis moi je vais bosser. Ciao, allez, salut, bonjour à tes gosses. Bon, je profite que mon chéri arrêtait de faire du bruit avec ses machines pour continuer un petit peu ce vlog. Je suis en train de travailler un petit chouïa sur Emrys pour lancer une offre de bienvenue pour des nouveaux adhérents dans mon équipe. Reprécise pour ceux qui ne connaissent pas Emrys, c'est tout simplement une coopérative solidaire en fait, qui permet à moyen long terme d'avoir vos courses gratuites. Donc c'est un super méga bon plan. Moi j'y ai adhéré l'année dernière au mois d'août et franchement voilà, j'en suis super contente. Alors j'en suis pas encore à faire mes courses gratuites. Mais il y a un potentiel de dingue parce que quand je vois le nombre de parts que j'ai réussi à cumuler, sachant qu'une part chez Emrys,
Je rentre pas dans tous les détails, hein, parce que voilà. Mais une part chez Emrys rapporte 888 €. Et moi, j'en ai 136. Donc voilà. Donc, à long terme, ça va franchement payer. Et en fin de compte, adhérer à Emrys, c'est tout simple. C'est qu'en fin de compte, le but, c'est de tout simplement remplacer votre moyen de paiement. Au lieu de payer par carte bancaire ou par chèque, qui vous coûte de l'argent d'ailleurs, au passage, hein, j'en profite pour vous le rappeler, hein, malheureusement. Et ben là, c'est un petit peu le même système qu'une carte de fidélité. Mais au lieu de payer en carte bancaire ou en chèque, et ben, vous payez en chèque cadeau ou vous avez éventuellement du cashback sur Internet. Donc c'est super, super intéressant. Donc enfin bref, plutôt que de m'étaler sur le sujet, là je suis en train de faire une offre spéciale de bienvenue. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Pour les gens qui veulent tester, donc avec la carte la plus simple. C'est une carte normalement qui vaut 10 €. Et puis là, jusqu'à dimanche, je vais l'offrir. Donc, je vais tout simplement vous mettre le lien pour ceux qui veulent des infos. Parce que c'est hors de question d'adhérer sans comprendre le fonctionnement. Je pourrais hein, vous balancer un lien comme certains le font. Comme ça, vous allez adhérer bêtement. Sauf que c'est hors de question. Donc, je vais vous remettre un lien vers mon groupe Facebook où vous pourrez bénéficier de l'offre jusqu'à dimanche. Évidemment, mais où vous pourrez comprendre tout le fonctionnement, en fait, hein, parce que c'est pas le tout d'adhérer à un truc si au final vous comprenez pas comment ça fonctionne, si au final vous croyez que vous allez faire fortune demain, parce que encore une fois, c'est à moyen long terme. Donc voilà, ça prend du temps. Faut pas être impatient. Par contre, si vous adhérez chez Emrys, voilà, ça peut prendre, ça prend d'office quelques mois quelques années pour avoir des courses gratuites. Donc franchement, c'est super. Mais voilà, il y a pas de piège, hein, parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je vous ferai pas, je vous prends pas pour des pigeons. J'ai jamais pris qui que ce soit pour un pigeon. Donc voilà, mais ça vaut le coup. Mais et c'est une coopérative géniale parce que c'est voilà, encore une fois, c'est une coopérative solidaire où tout le monde s'entraide, où les personnes éventuellement que vous recrutez deviennent vos copines et copains. Donc voilà, ça fait des bonnes discussions et tout, parfois tard le soir sur Messenger. Donc c'est super sympa. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien de mon groupe Facebook, comme ça vous demandez à y adhérer si vous êtes intéressé. Et si éventuellement vous voulez adhérer et essayer, bah voilà, il y aura toutes les explications sur le groupe. Donc voilà. Oui, entre deux, j'en ai profité aussi pour commencer à monter ce vlog parce que mon chéri faisait du bruit, donc je ne pouvais pas filmer, n'est-ce pas ? Voilà. Les garçons ont été remettre des choses de côté pour qu'on les porte à la déchetterie. Sarah Luna a rentré, raccourci la petite chevrette. Parce que oui, dans tout ça, je crois que Teddy vous a pas dit que c'était une petite femelle et on l'appelle raccourci avec un E. Voilà. Parce que c'est l'année des R, donc c'est raccourci. Donc voilà, donc là, Sarah Luna les a rentrées. Les petites sont en train de jouer dans la chambre des garçons avec des vieux Playmobil qu'ils ont retrouvés. Et Choubidou aussi qui vient de se réveiller de sa sieste. Quoi d'autre qui monte et que la lumière fume. Ah, voilà. Et Chéri est en train d'arrêter parce qu'il en a ras la casquette. Il lui reste. Il reste pas grand chose, mais il en a ras-le-bol de chez ras-le-bol. Il en a marre. Ouais, il te manque vraiment pas grand chose. Hein. Non, le problème c'est que découper, c'est pas le fait, mais après le problème c'est que c'est repréparer de la colle. Si je reprépare de la colle puis j'appère, au prix que ça coûte, la merde. Demain matin, ce serait bien. Demain matin. Shadaïna fait son show derrière. Demain matin, je finis le petit bout là. Il me reste pas. Ouais, en fait, il te reste quoi. Mais, bah là, il me reste un bout à couper. Là, la petite découpe de merde. Et puis la petite. La petite découpe de merde là. Ah oui, là, la toute petite découpe de merde là. Là, et puis là, j'aurai une découpe aussi de merde. Enfin, la petite bout là, et puis t'as une autre petite découpe de merde. Voilà. Je crois juste là. Ouais, là, juste au mur. Non, mais là, j'en ai pour une heure et demie. Comme ça, je suis une heure et demie de ça. Et comme ça, pendant que là, ça sèche, ça me gêne pas, je peux attaquer les gens. Ouais. Bonne idée. Comme c'est au bout. Comme ça, j'attaque les joints. Demain matin, l'idéal, une partie, on nettoie, et puis après, hop. Si je veux le dire. Oui, oui. Comment il me l'a fait à l'envers. Moi, j'adore. Gros malin. Mais oui, c'est beau. Des coupes dans le coin, regarde comment c'est. Il n'y a plus qu'à peindre. Oui, oui, il faut qu'on peigne. Oui, non, non, tes découpes, elles sont top. Hein. Regarde mes petites découpes là. Non, mais je sais qu'elles sont. Je sais qu'elles sont magnifiques, tes découpes, mon petit cœur. Elles sont belles, tes découpes. Non, non, mais oui, je sais. Oui, je sais que t'as très bien travaillé. Là, il faut, on n'a plus qu'à peindre les plinthes. Ce sont des plinthes en ciment, béton.
Béton ou ciment, je sais plus ce qu'il m'a dit, Robert. Ouais. Enfin, avant, à l'époque, ça se faisait comme ça, donc il faut qu'on les peigne en blanc. Comme là, on a fait, mais là, il faut refaire une voilà. Couche. Oui, là, oui, voilà, là, ça s'est trouvé sali, mais... Bon, puis c'est la première marche qui serait pas mal de changer parce qu'elle a vécu, elle. Mais ça, ça attendra. Hein. Ça attendra. Donc, ouais, ouais, là, du coup, faire les, mettre la colle et puis peindre les plaintes. Ah oui, puis couper la petite porte de placard, là. Oui, puis là-bas aussi, couper la porte. La, voilà, pour la réinstaller. Puis voilà, quoi. Hein. Mais pas mal. Donc, du coup, tout ça pour dire que chérie arrête. Ouais, bon, il est déjà 6h30. Ouais, alors, 6h15. On a commencé tard, mais. On a commencé tard, on finit tôt. 6h30, ça va. On a quand même les enfants, puis ce soir, c'est soirée hamburger. Je sais pas, je suis pas au courant. Eh oui, hamburger maison. Bon. Hamburger maison ? Bah oui. Je sais pas, je suis pas au courant du tout. Bah voilà, hamburger maison. Bon, pas le pain qui est maison. Non, le pain, toujours pas. Le pain, toujours pas maison. Et Sarah est en train de m'éplucher l'oignon, tout ça. Là. Ah, je savais pas. Pourquoi tu me l'avais pas dit ? Parce que c'était dit qu'il a fait des courses hier. Voilà, fais venir avec moi pour faire les courses. Je t'ai proposé, t'as pas voulu, tu m'as dit non, faut que tu dormes, t'es fatigué. Parce que oui, même si je vous ai dit il y a 3-4 jours, quand est-ce que j'ai dit que j'étais carrément bien, que le traitement fonctionnait bien et tout, j'ai quand même encore des sacrés coups de pompe. Non, donc, ouvre pas la porte. Hier, c'est pour ça que vous m'avez pas vu sur les réseaux. J'ai besoin de monter. Question de cycle, s'il y a un des cycles des bonnes femmes. Donc moi, c'est... Voilà. Ça vous dérange pas que je sois en train de filmer, là ? Bref, donc... Bon. Donc du coup, je continue à bosser encore un petit peu. Mais ils s'engueulent comme ça. Les ados, ils ont du mal à comprendre qu'en fait, quand ils peuvent pas marcher, qu'il faut faire le tour et tout. Je vous jure. Bref, donc je continue à faire ça. Puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bon, il est 20h et ça y est, on passe à table. Ah, j'ai la, voilà, la soupe à la grimace. Qui veut de l'entrée, de la soupe à la grimace. Ça craint ça. Ouais, c'est pardon. Ça craint. Oui, c'est une réplique de vieux, c'est ça, ouais, les dinosaures. Ce soir, c'est hamburger maison. Fait par chérie, sauf le pain. Mais voilà, le plat préféré des loulous. On mange quoi avec ? Des pommes dauphines, voilà. Donc hamburger maison, pommes dauphines. Donc on va se régaler. Choubi, il a déjà pris son bim, mais je pense qu'il va nous... Il va quémander. Hein ? Pourquoi vous avez un burger et moi j'ai rien ? Quoi ? Attends, t'en veux ? Oui, il en veut. Donc voilà, je crois qu'on va clôturer le blog là-dessus, parce que derrière, voilà, il va falloir que je le monte et tout. Quoi d'autre ? Donc Teddy finira le carrelage demain. Donc je vous montrerai d'ici ce week-end ou sur notre Insta. N'hésitez pas encore à nous rejoindre sur Instagram, comme ça vous verrez un petit peu plus. Parce que comme je ne vlogue pas tous les jours, vous voyez notre petite vie entre deux. Hein, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Puis sur ce, voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne et à puis activer la petite cloche pour avoir toutes les infos dès qu'on publie une vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut, salut. À bientôt.